Mercredi 1er août 2018, messieurs, dames, bonsoir. Merci pour fidélité à la chaîne Service Public. Là. Bienvenue dans la troisième sortie téléjournal là, pour ce maintenant, mais c'est le premier pour mois d'août. Tout de suite, l'intitulé. Travail, construction, route campérin, facilité, habitants, zone non, mener toute activité yo, sans problème. Population campérin exprime satisfaction par rapport à la série de travail ça, yo, qui réalisé dans le cadre de caravane changement. Dans la police, là, inspecteur général Karl-Henri Boucher, installé mercredi 1er août là, comme nouveau directeur central police administratif. Et l'autre bon, inspecteur Joanny Caneus prend fonction comme directeur central police judiciaire. C'est inspecteur général en chef Ralph Stanley Jean-Brice qui dirigeait cérémonie installation Silao. Assise criminelle avec assistant jury après la poursuivre dans le palais de justice Port-au-Prince. Tribunal criminel l'a condamné à Deus Alexandre pour 9 années de prison avec travaux forcés pour cause d'assassinat. Dans le Parlement haïtien, la Commission économie et financière de la République là, continue à rencontrer plusieurs secteurs sous budget rectificatif. Là. Jeudi, mercredi 1er août, la Commission a organisé une réunion de travail avec Forum économique secteur privé dans le cadre d'analyse budget 2017-2018. Là. Réduction violence communautaire et prévention délinquance ka jeune dans la zone Kafoufei et Matissan, selon un projet Office Protection Citoyen, dans tête collée à l'organisation Terre des Hommes, relancé mercredi 1er août là, n'importe où. Dans l'autre fois encore, bonsoir tout le monde, nous très contents pour nous rentrer la caillou pour nous porter pour vous téléjournal là, mais on a commencé avec page météo, c'est prévisionniste nous, Wilner Polidor, qui va le présenter. Merci parce que toujours branché télévision nationale d'Haïti et pour prévision météorologique là et en a comme situation et sous bassin Caraïbes là avec sous océan Atlantique là. Nous toujours gagnons en zone de haute pression qui a influencé conditions météorologiques là au cours de journée. Cela veut dire que nous avons gagné autant qu'il y a vent avec soleil sous pays d'Haïti au cours de journée, mais en fin d'après-midi et en soirée, nous avons gagné un creux en altitude qui trouvait lié au sud-ouest de l'île d'Haïti et Crosa, la marie avec sa nouvelle humidité qui est en basse couche qui a provoqué quelques arrestations sous plusieurs départements. Et j'en ai dit là, il y a plusieurs départements qui sont concernés par l'activité de la pisario, non seulement en soirée et au cours de nuit. J'en ai la région nord avec département Artibonite avec centre concerné par l'activité de la pio et toute région sud là encore à Pamba, quelques arrestations, mais il faut que nous c'est vraiment quelques averses isolées avec quelques coups de l'orage, mais des fois capable de modérer. Cela veut dire que ce n'est pas gogo la pluie, mais on a senti quelques tilaouzaïs sous le département de notre cité Layo. Pour capitale avec zone qui a environné, ce capitale qui a vu de beau temps en journée avec soleil pendant la journée et puis vent qui a venté. Et vent ça a soufflé très fort sous capitale avec zone qui a environné. Mais en soirée, effet local, cela veut dire brise de mer avec réchauffement pendant la journée capable de provoquer quelques averses. Surtout sous quartier qui trouvait au sud de capitale pour le moins un pays d'Haïti. Et en ce sens, nous capable d'attendre avec quelques gouttes de la vie, même si ce n'est pas tout quartier, mais quartier qui est au sud de Port-au-Prince, qui a gagné quelques avec la pluie. Température aujourd'hui, elle a monté jusqu'à 35 degrés, non seulement elle a fait chaud, elle a senti effet de chaleur, et pendant le temps, c'est 24 degrés Celsius, elle a descendu encore au cours de nuit, elle a senti effet de chaleur. La mer a non seulement agité sous côte sud et côte nord pays d'Haïti, nous avons des capitaines de précaution avec prudence parce que vent cap vent est capable de compliquer la navigation sous la mer, en pile précaution pendant que il apprend le large et pour parler à Solomon Glan, sur la prochaine jeudi à 7h24 et la levée de matin à 6h28. Mesdames, Messieurs, merci pour fêter nous avec attention. Nous nous croisons demain pour notre page météo. Bonne journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci à prévisionniste nous, Wilner Polidor, qui était porté pour nous, page météo journal là.
N'a démarré journal la Kounia pour nous dire construction route dans commune Camperin pour faciliter habitants zone nan menen toute qualité activité. Bénéficiaire remercie chef l'État qui fait infrastructure routière une priorité dans cadre caravane changement. Un reportage avec collaboratrice nous Anne Marguerite Auguste. Lévi, Matinière, Messan, La Porte, Bacapérin, ces différents quartiers qui bénéficient construction et aménagement diverses tronçons routes dans le cadre passage caravane changement dans le Grand Sud. Habitants zone Sayo salue engagement chef l'État qui croit développement réel là doit passer dans la section communale et dans la ville provinciale. Habitants ont expliqué mauvaise réalisation du travail dans la route. Poussière, la boule et la pluie tombée, t'es qu'on la cause de trapper une série vieille maladie. Route sa yo qui fait, d'après bénéficiaires, yo, améliorer conditions la vie yo, permettre activité économique yo reprendre, et puis bail campérin yon l'autre visage. Le zone n'a pas de quoi asphalter, il était très laid. Ça veut dire que pour ta sortie en bacan, pour aller bananier la prise, ça veut dire que c'était un centre de poussière. Ça veut dire que dans un moment, quand on a parlé là, on a parlé là comme ça. Tellement que poussière bail au laid. Donc, pas de monde qui est capable de dire que je ne veux dire, je n'est capable de bénéficier de ça. Et ça veut dire que je ne veux dire, je venais passer de haut niveau à l'autre niveau pour camper. Je suis content avec le président Jovenel Moïse qui a bonne service. Ça, c'est, on a souffert en pile. Depuis longtemps, on a camper, on a des petits mouns à l'eau. Je m'appelais même dans le dit, on a camper pour que je me fasse. Mais je ne veux dire, je me dis bon Dieu, merci en pile. Et bon Dieu, a toujours protégé mes dans tout le travail à faire. Ça, c'est les bonnes routes camper. Avec les caravanes de changement, qui déposent un changement au niveau de route là, parce que nous avons des fois, c'est qu'on a un problème avec poussière là. Mais cette fois-ci, que tout le monde campé dans la fête Sainte-Anne et le monde entier dans la fête Sainte-Anne, et là, ils viennent au genou l'autre couleur. Les gens qui viennent ici, là, les années, ma paix, machine, vient là, tout, j'ai besoin de poussière. Mais beaucoup n'y a là, ou viennent là, ou pas en poussière, ou pas en gang, grand chèque qui fait aux environs des campérins. Population campérin qui bénéficie du travail Sayo dans le cadre de caravane changement, pas suspendre, remercier le président Jovenel Moïse qui comprend le besoin et la nécessité pour prendre en compte la situation des gens qui vivent dans la zone reculée. L'œil prend décision, mettait accent sur le problème commun à la section communale en dedans pays a fait face dans le cadre de caravane changement. Dossier caravane toujours pour nous dire travail endiguement a commencé dans la rivière Bethel, 4e section commune Cabaret. Travail ça a pour aider population dans la zone ça, si qu'il est sans trop gros difficultés pendant la saison cyclone. Travail ça a déroulé sous supervision délégation arrondissement à KAEA, entré dans le cadre caravane changement. Dans le reportage, Falan Delphin à Hervé Pierre. Dans l'année 2007, communauté dans la 4e section Bethel a subi un pile perte pendant le passage de l'ouragan sous le département l'Ouest. Depuis le ça, c'est un calvaire pour la population dans la zone circulée à cause de la rivière qui a écrasé la route. Dans quatre caravanes pour faire indiquement toute rivière dans le pays, ça quitte ses premières phases projet pour mettre la rivière en place parmi la rivière Bethel d'après ingénieur responsable travail ça. Travail routine du ministère de l'Agriculture lié. Travail ça, c'est travail ministère qui qu'on fait. Mais avec changement, nouveau gouvernement Jovenel là, il vient avec une stratégie, il dit caravane, changement. Le caravane, changement, ça, le rôle du ministère de l'Agriculture, c'est maîtriser l'eau à l'intérieur de la rivière, dans toute rivière, dans la commune, dans le département de l'Ouest là. Le travail là, il est dans l'Ouest là. Mais Bethel n'a venu faire 10 jours de travail pour nous diguer rivière Bethel. Pour l'autorité dans la zone, le travail ça a dû rendre route ça plus praticable. Dans ce sens, le magistrat en après-cartel Cabaret a dit qu'il prend le travail en collaboration serrée avec tout responsable pour permettre le travail s'il arrive dans le bout. Il y a deux plans là-dedans, c'est colmater Belgia et deuxièmement pour faire Gabion. Je pense que c'est un point qui est très important pour le monde quatrième parce que la route ça qui est coupée, ça obligé de permettre que le monde ne soit pas capable d'évacuer les gens qui ont été évacués dans l'activité ou même moto. Pas de capacité là. Dixième monde dans la population remercie l'autorité pour le travail si là. Il dit qu'il peut améliorer les conditions de vie pour les gens avec motocyclette besoin de circuler dans la zone pour aller dans l'autre section communale, tant que Camicho, Zoranger et même Casal. Félicite le gouvernement, spécialement le président Jovenel, qui pensait avec nous Bethel, parce que Bethel, c'est un côté, nous n'avons aucun gouvernement qui passait, qui pensait ensemble avec nous. Depuis après 2007, les rivières ont été descendues. Ils étaient sur un pile de monde. Alors, quand là, nous venons de ce côté que nous venons pas de route, les motos pas passer, les gens, paysans n'ont pas de moyens pour pour transporter les chariots à le marché. Avec ça, c'était une grosse difficulté pour nous. Avec nous, nous sommes contents en pile pour passer, pour efforcer que
président Jovenel voye caravane nan vin visite nou. Rivière ça pour moi, c'est la plus grosse cicatrice qui gagne dans la 4e section Bethel. Depuis 2007, te gon inondation te passe Bethel. Côté que te gagne 83 petits bébés qui te mouri et 150 grand monde. En 2008 encore, gagne 300 petits monde. Côté magistrat Wills Thomas te enterré dans le cabaret. Et depuis là, l'État haïtien pas de chambre, tout président qui passait, tout ça nous fait écrit, et pas de chambre répondre à besoin nous boy ici. Je ne sais pas qui nous a fait ça, comment remercier le gouvernement, merci, dès qu'il travaille ça, après mettre nous journée aujourd'hui. Parce que pour nous-mêmes, nous sommes sentis, nous sommes vraiment humiliés par rapport à ça, par rapport aux paysans, parce que les nappes transportées, surtout les fonds serrés, c'était un gros problème, une grosse difficulté pour nous arriver à ce là. Population dans la 4e section Bethel a confronté plusieurs autres gros problèmes, tant que centre santé, l'école, centre professionnel. Pour moun dans zone si la, soyez ces jeunes plus encadrement dans mes autorités, yon manier pour conditions de vie changer. Actualité à nan parlement haïtien avec commission économie et finance de la République là qui continue à rencontrer plusieurs secteurs sous budget rectificatif là. Ministre financement est déposé dans le Sénat 28 juin passé. Mercredi 1er août, la commission financement organise une réunion de travail avec forum économique secteur privé dans l'idée pour analyser le budget 2017-2018 là qui évalue à 156 milliards de gourdes. Président commission économie et finance Grand Corps, sénateur Jean-Rigo Bélizer, dit satisfait pour ensemble point qui est discuté dans le compte SILA. Sénateur Jean-Rigo Bélizer, un micro, pas qui s'est quoi, Moïse Wibich. En suivant. Raison fondamentale qui fait que nous rencontrons l'effort économique, là, nous connaissons, c'est commerçants, c'est les gens qui font business en pays qui sont national. Là. Parce que c'est à partir de taxes et impôts qui vont collecter recettes qui vous permettent et bien des investissements faits qui vous permettent pays à fonctionner. Ça veut dire que c'est un secteur qui est très important. C'est ça que fait l'analyse budget rectificatif là et même l'autre budget qui va venir. La très important pour nous avec eux. Si nous constatons nous gagnons seulement 145 milliards de gouttes environ comme niveau de recettes dans le pays, y compris donc et prêt, donc ça veut dire nous garder quantité de corps, nous arriver collecter dans le pays, il pas suffit pour nous faire pays à fonctionner. Étant donné que le budget vient devant nous, nous ne connaissons pas qui discussion a été fait avec l'exécutif là, nous-mêmes, c'est des bons temps pour que nous rencontrions avec eux, pour nous avoir une compréhension des budgets, pour nous avoir une idée. Donc, son quantité très intéressante, très enrichissante, il n'y a pas ménagé point de vue. Il dit nous tout ça, il pense des budgets et il fait nous des suggestions aussi, que nous-mêmes nous notons jusqu'à présent. Puisque avant que nous rencontrions avec certains ministres, comme il s'agit d'un budget rectificatif, nous ne pouvons pas prendre en rencontre tous les ministres. Donc, là, avant nous rencontrer avec certains ministres, comme le ministre des Finances, ministre de Planification, nous devons rencontrer avec le secteur ça, pour que yo di nous qui ça a pensé des budgets. Pas oublier n'a reprendre ni budget 2017-2018 al dévoté budget initial là té ba en pile en pile parler en pile. Nous même nous voulons que les budgets rectificatifs la fin voté pour que pas gagne tout parler en pile ça parce que suggestion que secteur yo fait yo nous pour prendre en compte pendant que n'a voté budget. Nous pas dit nous pour prendre toute suggestion à 100% puis c'est normalement c'est exécutif là qui est pour responsabilité pour faire budget. Nous même nous gagne pour nous voter mais budget doit cadrer avec situation actuelle pays. L'autre information dans le journal là, inspecteur général en chef police nationale là, Ralph Stanley Jean-Brice, installé inspecteur Joanny Caneus mercredi 1er août là comme directeur central police judiciaire. Dans l'occasion, Ralph Stanley Jean-Brice rappelé nouveau directeur de CPJA, défi captain li nan poste ça pendant li déclaré li point en compétence à professionnaliste Joanny Caneus. En écouter plus explications dans micro Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. Votre rôle, monsieur le nouveau directeur central de la police judiciaire, est capital. La lutte contre la grande criminalité, contre la grande délinquance, est une lutte ardue, difficile. Cette lutte réclame du courage que vous en avez, nous le savons tous. Cela requiert également un sens aigu
du commandement. Vos longues années d'expérience seront d'une très grande utilité à la tête de cette entité extrêmement importante pour la PNH, qui est la Direction centrale de la police judiciaire. Cette entité est non seulement capitale pour la PNH, mais également pour le pays tout entier. Vous aurez à travailler ardemment, sans relâche, de jour comme de nuit, à démanteler les réseaux de trafiquants de toutes sortes, à combattre le kidnapping, un fléau dans notre société. La DCPJ a accompli des progrès immenses et nous sommes certains que sous votre commandement, cette direction ira de l'avant. Vous êtes condamné à faire mieux, vous êtes condamné à progresser. Le commandant-chef compte beaucoup sur vous. Il a su vous donner, il a su placer en vous sa confiance. Nous sommes certains que vous serez à la hauteur de la tâche. Le pays tout entier verra vos résultats. Nouveau directeur central police judiciaire, Joanny Caneus, dans le discours, remercie au commandement PNH là, qui choisit pour occuper nouveau poste là. Joanny Caneus, qui promet de prendre le travail pour combattre la criminalité et puis mener bataille contre délinquance dans le pays, demande aux populations haïtiennes pour collaborer à plein dans quatre exercices fonction si là. On suit un extrait toujours dans Nico Lunel Jean-Louis avec Michel Joseph. Je ne pourrais m'acquitter de ma mission, produire des résultats et être toujours utile à la communauté sans l'appui de mon directeur général et sans la collaboration inconditionnelle des partenaires régionaux, bilatéraux et même multilatéraux, dont le support à la police nationale d'Haïti est toujours sans faille. À vous, policières, policiers et employés de la direction centrale, en vos titres, grades et qualités, je dirai que je serai toujours à l'écoute de vos doléances. Pendant que j'en profite pour vous faire comprendre que je compte sur vos expériences, vos compétences et votre savoir-faire dans le travail quotidien du policier, notamment des policiers de la Direction centrale de la police judiciaire, en vue de permettre à chaque membre de la communauté, à chaque citoyen, de vaquer librement à ses affaires, de marcher librement, car notre devise servir et protéger par rapport à notre mission nous oblige à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la sécurité soit bien garantie. Dossier installation toujours, inspecteur général en chef Ralph Stanley Jean-Brice installé mercredi 1er d'août là, inspecteur général Karl Henri Boucher comme nouveau directeur central police administratif. Cérémonie si là déroulée en présence au commandement la police là, commissaire, inspecteur cadre à divers personnels de l'institution. Rachel Saint-Fort avec Hervé Pierre à Dinopis.
Poste directeur central police administrative là, c'est une fonction qui gagne en plus l'importance. Selon inspecteur général en chef là, Ralph Stanley Jean-Brice, qui fait qu'on est police administrative là, c'est premier pilier dans la sécurité publique là. Inspecteur général en chef là, rappelé nouveau directeur central police administrative là, inspecteur général Colin-Henri Boucher, mission li gagne pour IA. Vous aurez donc cette mission essentielle, inspecteur général Colin-Henri Boucher, d'augmenter la présence policière à travers les routes. Vous aurez à faire le reparti entre les unités spécialisées et les unités territoriales, dont les missions se confondent maintenant, mais qu'elles soient distinctes. Nous devons protéger les unités de police territoriales, CIMO, UDMO, en premier lieu, de certaines tâches dévolues à la police administrative. Ces unités se doivent de faire uniquement leur mission de soutien au commissariat, au sous-commissariat et de maintien de l'ordre. On attend vos touches. La population haïtienne attend beaucoup de choses de vous. La PNH est l'épine dorsale de l'État. Aucun projet ne peut aboutir sans la sécurité. Directeur central police administrative sortant, Joanny Canius, remercie membre au commandement la police là, 4 des CPA yo pour support au Tebali, pendant temps, il était passé dans tête des CPA. De l'autre côté, inspecteur général Joanny Canius félicite nouveau des CPA pour travail qu'il fait dans la police à travers l'autre poste occupé yo et puis pour mettre conseil et expérience yo à disposition nouveau des CPA. Le rôle que vous avez joué quand j'étais à la tête de la direction centrale de la police administrative, ce rôle a été bien joué. Et le véritable bénéficiaire, c'est la population. Continuez sur cette lancée. Je vous ai suivi sur le terrain. Je suis sûr que, en raison de ce que j'avais vu, de ce que j'avais observé, si vous mettez tout cela en pratique, eh bien, vous serez un bon directeur central de la police administrative, un bon DCPA. Mon cher, bonne chance, bon travail, succès, courage. Nouveau DCPA Colin-Henri Boucher exprime gratitude envers le directeur général de la police là pour confiance il fait pour mettre l'emploi ça pendant le promet pour mettre formation et expérience li pour bien remplir mission et confier. Au personnel des différentes unités qui relèvent de la direction centrale de la police administrative et au personnel policier et administratif en général, je promets une oreille attentive aux recommandations ainsi qu'une atmosphère empreinte de confiance et de respect mutuel. Nous devons faire en sorte que le travail qui nous est confié et qui est d'une importance capitale pour la sécurité de la nation. En ce qui me concerne, il sera ainsi. J'attends de vous la même détermination. Selon responsable bio-installation, ça c'est une parmi les facilités institutions puis bien remplir mission qui s'est protégée à servir. Sénateur département Sud là, Pierre-François Sildor, salue quelques changements qui opéré dans haut état-major police nationale là. Vice-président Sénat République là, dit lui souhaiter changement ça va permettre institution police là bay pi bon résultat dans travail plus professionnaliste pour garantir sécurité population. Sénateur Pierre-François Sildor, Tenamiko, Paki Saint-Croix avec Moïse Wilbridge. On suit. Disposition au niveau de la direction générale de la police pour faire changement ça, nous pensons que c'est un changement qui rentre dans quatre fonctionnements. Police nationale par rapport à la situation, c'est ça seulement le cas dit là-dedans. La périté dans le Parlement haïtien avec député circonscription Fondenègue, Iverno Guerrier, qui dénonce les actes violence et insécurité, commune Fondenègue a prôné depuis plusieurs jours. Député Iverno Guerrier dit condamner l'action d'un groupe individu qui a mis du fait dans la Banque nationale Crédit Fondenègue à Yemadi 31 juillet. Député Iverno Guerrier demande autorité dans le PNH là pour renforcer la police dans la commune. Député Iverno Guerrier est dans le micro, Paki Saint-Croix avec Moïse Wilbich. On suit. Message à directeur général police nationale. Hein? Donc, et pour le connaître que Fondenègue, à Fondenègue, nous avons besoin de policiers donc, qui pour sillonner la commune. Donc ça veut dire c'est une commune côté que Gambi l'a brassé la donne. Donc puis faut moun yo c'est commerce yo fait, de commerce yo vivre. Donc nous avons besoin de policiers qui pour cadrer zone donc qui pour bail moun yo sécurité possible. Parce que là on moun attaquer la banque
c'est comme si on attaquait tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui vient contre là-bas, moi-même tout, ils ont attaqué moi. Donc, nous avons souhaité que il y ait des mesures drastiques qui prennent au niveau de la police et de la justice. Donc, pour être capable de chercher coupable. Et cette fois-ci, pas de question. Et enquête se poursuit. Non? Donc, ça veut dire qu'on est là. Donc, il faut qu'on rentre normalement et bien chercher coupable, vrai coupable. D'accord? Parce que nous connaissons. Nous connaissons. Dindoua, ce n'est pas Moun Fondenek qui fait, mais c'est sous complicité Moun Fondenek qui l'a fait. Donc, dans ce sens-là, nous avons déploré sa crivée. Jean-Noël a annoncé dans le titre réduction violence communautaire et prévention délinquance kay jeune dans zone Kafoufei ak Matissan. C'est dans un projet Office Protection Citoyen dans tête collée à l'organisation Terre des Hommes lancé mercredi 1er août là dans Port-au-Prince. Projet ça qui joint support mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti doit permettre renforcement capacité travail yon série entité dans l'état tant que IBESC, ministère conditions de femme ak droit femme et puis ministère dans Matissan Kafoufei. John Herbie Kaseus ak Moïse Wilbich a présenté nous dans reportage. Ensuite, projet réduction violence communautaire et prévention délinquance kay jeune qui dans zone Matissan à Kafoufei, c'est une initiative qui permet l'État haïtien réduire la violence qui connaît Matissan à Kafoufei. C'est l'organisation Terre des Hommes et Mission Nations Unies qui a appuyé la justice en Haïti, Minijus, qui vient avec projet ça. Dans le cadre de travail, ça, responsable de entité ça, yo, visé pour te soutien par l'État haïtien à travers action y'a mené pour réduire la délinquance, acte insécurité qui gagne dans Matissan à Kafoufei. Je dois souligner que ce projet est fait en étroite collaboration avec notre unité de droits de l'homme présente ici et plus particulièrement dans le cadre d'un appui aux institutions nationales pour renforcer cette dynamique par rapport aux populations les plus vulnérables. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une future stratégie de protection du système des Nations Unies, mais aussi dans le cadre de l'appui à la politique de la police nationale et de la, du ministère de la Justice dans la pacification et le renforcement de la réduction de la violence communautaire dans les zones les plus touchées. Projet réduction violence communautaire à prévention délinquance kay jeune Matissan à Kafoufei doit durer environ 10 mois. Projet ça concerne les gens qui sont en situation reste avec femmes qui sont handicapées dans la prostitution accidentelle qui sont petites sans papa. Je pense que ce projet va offrir aux jeunes de Kafoufei et de Matissan tout ce qu'elles ont droit d'en attendre. Participation à la vie collective, possibilité d'acquérir un emploi, d'occuper leurs loisirs. Ce projet porteur d'espoir pour les jeunes et les familles de ces zones, souvent appelées zones de non-droit, doit être perçu comme le ilan-ilan qui verra son parfum répandre dans la nuit des temps à venir sur la société haïtienne tout entière. C'est au total 12 264 disponibles pour réalisation projet ça qui t'a dû bout dans mois mai 2019. C'est que projet ça capable permettre que dans zone Matissan, dans zone de Kafoufei, eh bien situation de violence capable diminuer parce que son projet qui peut l'implémenter avec la participation de la société civile, les familles, que nous parlons dans quelle mesure que capable renforcer les habitants de la zone pour façon pour capable réduire question violence qu'a fait sous femme et qu'a fait sous timon. Institut bien-être social et recherche, ministère justice et sécurité public, bureau protection minière et ministère conditions femmes et droits femmes, ces différentes entités dans l'État qui impliquées dans le projet ça. Dossier justice, assise criminelle avec assistant Jirio après à poursuivre dans le palais justice Port-au-Prince. Tribunal criminel l'a condamné à Deus Alexandre pour 9 années de prison à travaux forcés pour cause assassinat. De l'autre côté, tribunal l'a libéré 3 mounes. Audience criminelle continue jeudi mercredi 1er août. La côté tribunal l'a traité cas assassinat, crime de sang, enlèvement et séquestration. La fond l'autre campé dans le journal là, la tourne tout de suite avec les informations. Vous êtes branchés.
Merci parce qu'on restez branché télévision l'État, journal la pour poursuivre. Dans le cadre de série rencontre télévision nationale d'Haïti, tant mais dans différentes entités universités d'État pour débattre lieu qu'on est qui ensemble discipline, yo enseigner à comment y a qu'à servir, à ensemble formation, recevoir après aussi une partie étape université à pour contribuer dans le développement pays à une équipe TNHT rendu mardi 31 juillet 2018 là, dans la faculté linguistique à reportage. Ensuite. Faculté linguistique appliquée, c'est une entité en dans UEH là qui fondée dans l'année 1978. Institution ça qui pour mission apprendre étudiants aux différentes langues, comment ils fonctionnent, rapport yon ak l'autre dans un pays yon parle plusieurs langues. Linguistique, c'est une science qui englobe yon ensemble discipline qui chita sous comment moun parle, transmettre yon message, à comment yon ka développer capacité pour apprendre plusieurs langues. Phonologie, phonétique ak différentes langues tant que créole, français, anglais, espagnol, c'est quelques parmi disciplines yon enseigné en dans faculté a. Doyen faculté linguistique là, Renaud Doivin, fait qu'on est déjà prêt pour accueillir bachelier qui t'a aimé maîtriser ou adapter yo à technique analyse linguistique là. Linguistique, c'est une science qui est assez révolutionnaire, c'est une science qui est jeune. En pile monde par contre qui sa linguistique qui est. Par exemple, en Haïti, l'on parle de linguistique, si vous parlez en pile langue. Mais linguistique, c'est pas polyglossie. Polyglossie, c'est-à-dire, c'est état ou monde qui apprend plusieurs langues qui viennent polyglottes. Même si linguistique en général apprend plusieurs langues, mais linguistique, c'est pas polyglossie. Linguistique, ça lié, c'est une discipline scientifique qui permet tout étudier langue, comment elle fonctionne, comment elle prend naissance, comment elle vit et qui rapport elle est capable de mener l'une avec l'autre et les deux langues. En cohabitation dans une communauté, généralement, qui ça s'abaille, tant pour gens français avec créole, cohabiter en Haïti, qui rapport s'abaille et qui résultat, c'est entre autres qualité de études que nous faisons. Linguistique, c'est une science qui gagne un paquet en branchement. Une société phonologie, d'accord, phonologie à nous, et phonoson, c'est étude, rapport, son yo, gagne une avec l'autre. Non, Paoli Monio. Li marié avec une autre discipline qui est les phonétiques, mais il n'y a pas exactement même bagaille. Phonologie étudie la portion menée, il y en a l'autre, non, j'en ai parlé. Et phonétique, chita sous étude sans yo gagner indépendamment de emploi en un système parole. Là. D'après Doyen Fla, Renaud Doivin, faculté linguistique appliquée là pour former jeunes haïtiens qui conscients de problèmes pays a et qui pral mette yo au service de ensemble résolution qu'a bien pour de déboucher. Au monde qui passe dans la faculté linguistique appliquée, il y a une possibilité pour le travail dans divers domaines. D'abord, il travaille comme interprète, il travaille comme traducteur, il travaille comme monde qui a évalué matériel didactique, il travaille comme monde qui travaille pour évaluer information, il travaille comme journaliste. Ne pas former monde pour résoudre problème pour français, pour américain, pour cubain, etc. Nous faisons former monde qui est en prise à un série de problèmes un pays et qui au final va le mettre au service de résolution problème ça. C'est pour ça nous enseigner notre dynamique programme ministère d'éducation nationale là, pour ça qui concerne les langues de façon pour étudiants nous leur sortir la faculté linguistique appliquée pour bien possibilité de mettre compétences au service de l'école haïtienne. C'est pour ça nous former dans le domaine traduction de façon pour au moins nous réussir rendre effectif question bilinguisme là dans le pays, en façon pour tout le loyau, il n'est pas seulement disponible en français. 200 bacheliers, c'est quantité étudiants FLA, faculté linguistique appliquée, accueillis chaque année pour venir passer 4 informations dans l'espace là. Concours admission pour année ça, fixé pour date 9 septembre, qui venu là. Il y a un étudiant qui t'a voulu intégrer entité ça, a bien pour préparer l'ensemble matière ça, anglais, français, espagnol et créole. L'autre point dans le journal là, 2500 timoun dans la commune Akaye participé dans le lancement de la deuxième édition camp d'été dans la commune là mardi 31 juillet. Activité ça a déroulé sous place Akaye à terrain football qui est dans la zone là. Le lancement qui fait en présence directeur général ministère intérieur collectivité territoriale la Fidel Monchéri à qui ont délégation université New York à autorité communale. Reportage Richardson. Pour 2500 timoun dans la commune Akaye, je viens un espace pour divertir pendant la période de vacances là.
Pendant qu'on dit ça, si nous avons appris à jouer ensemble et puis danser, d'après magistrat Ousmila Saint-Ville Petit Frère, qui remercie l'institution et les partenaires qui contribuent dans la deuxième édition qu'on dit. Et c'est un plaisir pour nous au niveau de la mairie, pour nous accueillir tout le monde, parce que vivre ensemble, c'est lui nous devons apprendre. Nous n'avons pas de moyens pour nous aller à chaque parent, pour nous prendre soin de tout le monde pendant un mois et demi, pour aller à l'école, mais les réunir ensemble, non seulement, je viens faire un seul, je apprends à partager, nous prenons soin de pendant tout un mois et l'école n'a pas le fermé tout le 19. Nous pensons que 19 août qui est venu là, la presse a présent ensemble avec nous tout. Quand nous pouvons clôturer quand il ça, nous pouvons remettre Timounio en des kits scolaires pour qu'on puisse aller rentrer des classes. Directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale, la Fidnel Monchéri, salue en vacances. Pendant l'encourager, l'autre mairie vous suivez le même exemple là. Que c'est l'activité socio-culturelle, que mairie a créé un support et organisation internationale qui est Sony, où est tout l'étranger qui là, qui supporte les camps. Il y a l'autre organisation Food for Day pour qui va manger, mairie et intérieur supporter tout en termes de logistique et l'autre support encore. Donc c'est ça qui explique la présence mais là matin. Non, tant que mairie a carré inauguré, ça c'est la deuxième édition, et que nous comptons que pour le faire chaque année. Et nous même avons fait promotion pour que toute mairie dans le pays soit capable, pendant les vacances d'été, d'organiser de pareilles activités pour Timounio qui symbolisent l'avenir, richesse pays, nouvelle société qui est bien construite. Base là, c'est Timounio qui nous a gardé là. Responsable projet Université New York, là, qui était parlé dans nos délégations, qui était venu participer dans l'espoir quand était ça, montrer l'importance de l'activité pour Timounio. Et puis expliquer ensemble projet yo gagne en faveur Timounio. La fait comme ça c'est pour nous continuer avec communauté engagement que nous pour faire sur terrain côté que nous voulons que pour tout petit monde, tout grand monde, tout monde dans communauté a connaît et fait partie de projet ça qui vient pour faire là. Alors c'est ça que fait jeudi Souni gain 32 représentants avec nous là qui viennent pour travailler avec Timounio, jouer à Timounio pour que Candete a son beau succès. Autorité mairie à Kayayo souhaite joindre quelques accompagnements. Bon côté, tout le monde qui est intéressé dans l'activité candidate ça, qui prévoit finir 19 août, qui vient là. Réconciliation alternative annoncée université d'été qui a fait dans Port-au-Prince à Tigouave, sorti 10 pour bout 11 août en baptême éthique politique dans la construction de la démocratie dans le pays d'Haïti. Président Katella. Pédrica Saint-Jean fait qu'on est université d'été à Nessa a rentré dans le cadre plaidoyer pour une émergence nouveau pour Stéphanie Charles à Christelle Toussaint. En suivi. Anessa Université d'été, inscription gratuite, nous avons un rafraîchissement gratuit et nous avons un certificat de participation gratuit. Et nous dit que dans l'Ouest, nous avons fait le Tigouave avec dans Port-au-Prince et nous demandons que nous pressé à l'inscrit gratuit, juste avec un père d'identification. Nous avons fait inscription du 3 au 6 août dans l'école Don de Dieu Merlin qui est dans rue Joseph Janvier et nous avons fait 2 jours de formation qui est vendredi 10 et samedi 11 août. Et au terme de 2 jours de formation, ça y est, n'a pas eu un certificat. Nous disons que thème non, c'est l'éthique politique dans la construction de la démocratie en Haïti, parce que nous voulons que population, notamment jeunes, connaît que pratique ou bien manœuvre déloyale, une série de dirigeants a fait dans le secteur politique là, notamment Mouna Kanyo, et mais c'est pas comme ça, parti politique fonctionne. Parti politique yo a appliqué science politique qui de ce fait est une science et a son éthique. Alors, là, yon moun sorti pour faire salve dans la politique, c'est terni ou terni image. Ou même comme individu, parti politique qui appartient à lui-même et secteur politique là, qui déjà a traversé une crise de dévalorisation. Côté actuellement, l'ordre ou ces femmes ou bien hommes politiques, moun yo pon pour marouiller pour dans le parti politique yo, pour nous laver l'image parti politique yo.
Yon lot bo 24 ak 25 daout kap vini la pati fusion de sociodemokrate ap organize aktivite Université de Teli nan departement l'Ouest, Nord ak Sant peyi ya. Président pati ya Edmond Supplice Bozi l'explique aktivite sa kap déroulé en baptême engagement citoyen pour l'autre Haïti ap permet jen découvri pi plus sa pati fusion an ye pendant l'invité yo vin inscrit en de pati si la. Edmond Supplice Bozi l'te nan micro Stéphanie Charles ak Fresnel Toussaint. Ensuite déclaration. Étant donné que pas une culture d'appartenance à un parti politique, nous jugeons nécessaire pour nous l'ouvrir l'université NDT à tout le monde qui voulait venir participer dans la formation ça. L'est toujours faite dans plusieurs zones dans le pays. L'ENDE commence à faire l'est qu'on fait seulement Port-au-Prince et c'est sous direction par nous que nous élargissons sous l'autre département. Donc, n'a pas fait université d'été à Nessa sous thème engagement citoyen pour une nouvelle Haïti. Nous reprenons l'université d'été à Nessa a fait sous citoyen pour une nouvelle Haïti. N'a pas comme sous thème et qui sans engagement citoyen en y est. Montrer que tranche d'âge, côté que population qui gagne plus moun nan entre 14 et 15 ans, et plus fort population, c'est là la couche ça lié. Donc, nous allons garder Nouvelle Haïti en regard du bonus ça. Nous avons gagné un sous-thème sous entrepreneuriat. Parce que soit pas de Nouvelle Haïti, en gonjon pour que vous gardez comment pour nous orienter et éducation nous vers l'entrepreneuriat. Et puis, au quatrième sous-thème, qui n'est pas en lien direct uniquement avec engagement citoyen pour Nouvelle Haïti, mais fusion en tant que parti social-démocrate, li bay tèt li, obligation ça. Pour nous, quel que soit l'heure de formation, pour nous parler de qui ça, idéologie social-démocrate, la vle dit. Ça, social-démocratie a yé. Qui ça, qui ça fabrique nous. Donc, il y a bien un sous-thème qui pourrait permettre que nous adresser ça à jeunes, et découvrir parti politique là, et découvrir ça, idéologie, pas nous, ça lié. Secrétaire général, Parti Fusion, Rosemont Pradel, mandé gouvernement, servi à événement. Nous constatons que le pays a depuis environ 3 semaines a subi en quelque sorte les conséquences d'une crise que nous avons carrélée très marquante qui frappait en quelque sorte le pays ça et le week-end du 6, 7 et 8 et juillet 2018. Nous-mêmes, dans la fusion des sociodémocrates, nous lions la crise-là d'une autre manière. Comment nous voyons la crise-là? Nous disons que la crise-là, c'est la conséquence de Santa Carrelé, le choix de gouvernance inapproprié. On devrait faire de ces chocs, le choc ça qui passe dans le pays, une opportunité pour nous mettre le pays sur les rails du développement durable. Pour nous comprendre que nous avons une responsabilité des secteurs à faire de Haïti un pays. Mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Mokrena, fait une série de propositions qui permettent aux autorités de joindre une solution à la crise sociopolitique qui a saccagé le pays depuis quelques temps. Votre parole, Mokrena, Élisée Pierre, et président AIA, Sadra Dieudonné, souhaitent aux autorités de créer plus de travail dans le pays et puis financer piti avec moyen d'entreprise. En écoutant plus d'explications, dans le micro Lunel Jean-Li et Michel Joseph. Mise en place un régime d'austérité, côté que l'État li doit rationaliser dépenses liées, éviter tout gaspillage de l'État, bloquer l'évasion fiscale là, combattre efficacement la corruption et puis mettre sous pied un cabinet ministériel à effectif réduit, dans la limite ministère qui est plus important pour la nation. Mais si ça est capable de permettre nous joindre assez l'argent pour nous financer job. Nous sommes capables de créer dans diverses activités interministérielles que l'État lui-même est capable de prendre. Deux voies, c'est faire orientation à la politique publique, c'est orienter la politique publique. Il suffit que nous-mêmes, comme parti politique, nous fassions proposition. Donc nous sommes sûrs que, et même si on ne prend pas toute proposition que nous faisons là,
Mais il y a des propositions pragmatiques et si vous mettez une application qui est capable d'aider à sortir du pays dans la misère. L'autre information dans le journal, l'Université Fondation Aristide Unifa a annoncé mercredi 1er août là, il y a une nouvelle filière qui est architecture disponible à partir de septembre qui vient là dans l'université. L'initiative ça va permettre plus d'étudiants d'avoir une possibilité d'apprendre l'architecture d'après l'architecte Leslie Voltaire. C'est une responsable nouvelle discipline ça dans l'UNIFA. Plus explication dans le micro Lionel Jean-Louis avec Michel Joseph. C'est une formation d'architecte qui se fera suivant le formatage LMD, licence, master et doctorat. On commence avec la licence. La licence va durer 3 ans pour former un architecte. Ensuite, cet architecte pourra faire son master en 2 ans. Et c'est un formatage qui se fait maintenant aux États-Unis, en France, en Afrique, etc. Et c'est une formation qui donne accès au travail directement dans les bureaux d'architectes, dans les municipalités, dans les ministères, dans les ONG. Et l'étudiant aura à sa disposition tous les outils techniques de dessin tels que AutoCAD, SketchUp, Revit, Rhino, etc. Et tous les concepts de structure, de matériaux, d'analyse d'appel d'offres, de code du bâtiment, d'installation électrique, sanitaire, etc., des notions de topographie. Et d'abord, on aura un tronc commun avec la faculté de génie informatique et de génie civil. Et ensuite, on va se séparer entre architectes, ingénieurs civils, ingénieurs informatiques et bientôt les autres branches du génie. La fond dernier campé dans le journal là, on a tourné tout de suite pour nous rapprocher après cette information. Merci pour fidélité au téléjournal là, on a pu poursuivre avec information et là nous allons regarder l'actualité internationale là. Bonjour, 4 mois avant l'élection législative dans le pays États-Unis, responsable Facebook a déjà annoncé qu'il a identifié plusieurs tentatives de manipulation politique sur les réseaux sociaux. Si en tout, il y a 31 comptes suspects supprimés, il y a tout tag en lien avec le réseau Larissi qui était déjà impliqué dans la campagne présidentielle. Très critiqué dernier mois, ça y est, PDG Facebook là, Mark Zuckerberg, montre qu'il est très coopératif avec l'autorité américaine dans affaires manipulation politique. Si on a fait un coup de pied dans le pays Zimbabwe pour nous dire 2 jours après l'élection pour président, député et conseil municipal dans le pays Zimbabwe, l'armée rentre en action dans la capitale Harare pour gérer plusieurs manifestants qui ont protesté contre le résultat de l'élection. Au moins, un monde mourit, manifestants qui recevaient une balle dans l'estomac, terrain de souffle à cause de blessés. Partisans opposition ont dénoncé fraude et manque de transparence. Ils ont dit qu'ils gagnent dans l'élection. Pour qu'il y ait un résultat partiel, l'élection législative, ils ont montré que parti sous pouvoir gagne une majorité qui déjà élue. Pabola Kainou, Radio Nationale d'Haïti, RNH, lancé pour vacances été à une émission tout neuf qui baptisée Mike aux jeunes. L'émission ça a pour objectif rapprocher plus jeunesse haïtienne avec Radio Nationale d'Haïti pendant qu'il n'y a pas misé avec forme et tête. L'émission Mike aux jeunes commence à diffuser sous onde RNH fréquence 102.1 avec 105.3 FM depuis 22 juillet passé à la campée 31 août 4 là. Souti lundi pour arriver vendredi 2h pour 4h après-midi, auditeur gagne rendez-vous avec animateur Stalof Sofor et Gens Renéus, Marc Olivier avec Johanna Cetout pour une émission Mike aux jeunes sous RNH. On nous suit. Après, avec ambiance vacances là, ça veut dire tout ça qui est pendant vacances, nous connaissons les vacances, il y a championnat, football, basket, il y a excursion, il y a camp d'été, il y a tout ça. En façon pour nous toujours avoir des informations qui sont faites dans la zone. Yo. Mais en façon tout pour nous toujours encourager les jeunes yo, et dans arrêter dans le livre. On a fait lecture et toujours été avec connaissance. C'est ça que fait dans l'émission, ne pas seulement gon émission jeune côté n'a parlé de star et côté n'a parlé de artiste, côté n'a passé musique seulement, mais son émission tout qui gagne des rubriques là-dedans côté nous encourager moun yo rete connecté avec éducation, embelli connaissance tant que nous gagne culture du livre qui fait avec Wassi Simon, nous gagne question je réponse côté chaque fois mon a répondre question connaissance générale, nous gagne des primes que n'a pas. Donc son émission qui pour pendant vacances là qui pour bail et on jeunesse là on
yon perspective, yon l'idée, yon côté pour lui-même li ressourcer déjà avec nan bonne ambiance musicale, mais tout nan causer blague, nan causer l'éducation. Ça permet nous connecter avec jeunesse haïtienne, mais tout en même temps public haïtien à travers des rubriques tant que connexion. Côté que nous ouvrons micro à public là, connexion c'est une façon pour nous connecter avec nous mieux, mais pour même permettre de connecter avec ménage ou bien Mario, madame yo. Nous faisons ça, nous optique ça, nous ba numéro téléphone radio et puis on prend contact avec nous, dit mais qui musique t'a aimé dédié by tel monde, une façon pour ouais qui quantité monde qui a écouté émission à travers ou connexion, mais tout nous qu'on ouvre micro en tout by public là lors des émissions que nous qu'on a fait et puis au relais pour dire côté aux jeunes vibe là comme aux jeunes vibe là et grâce avec jouette surtout ça permet nous rester connecté avec jeunesse haïtienne mais tout avec population pour capable comme si ouais que radio nationale là pour yo et radio nationale là pour jeunesse haïtienne là. Ça qui fait force les tout gagner parfois nous déplacer micro radio nationale là dans le porter nos activités à travers un rubrique les sacs chauds dans l'activité à nous parler avec un responsable activité à faire promotion activité à live dans l'émission et puis nous on l'autre rubrique tout les sacs à cuit so responsable activité à nous relé live et puis lui parler nous des activités à lui dire mais ça l'a cuit pour jeunesse d'une manière positive. Journal arrivé dans bout li mais grand point qui était dominé le travail construction route Camperin facilité habitants zone nan mener toute activité yo sans problème. Population Camperin estime exprimer satisfaction yo par rapport à série travail sa yo qui réalisé dans cadre caravane changement. Dans la police là inspecteur général Karl Henri Boucher installé mercredi 1er d'août là comme nouveau directeur central police administratif. Dans l'autre bord inspecteur Joanny Caneus prend fonction comme directeur central police judiciaire. C'est inspecteur général en chef Ralph Stanley Jean-Brice qui dirigeait cérémonie installation. Assistance criminelle avec assistant jury après poursuivre dans palais justice Port-au-Prince. Tribunal criminel l'a condamné Adeus Alexandre pour 9 années de prison à travaux forcés pour cause assassinat. Commission justice, commission économie, pardon, et finance dans le Sénat République l'a continué à rencontrer plusieurs secteurs sous budget rectificatif. Là. Jeudi mercredi 1er d'août, la commission a organisé une réunion de travail à forme économique secteur privé dans le cadre d'analyse budget.